Désertification, définition, cause et conséquences dans Géo.fr du 27 octobre 2023. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, UNCCT, la désertification se définit comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. La désertification affecte le cycle de l'eau, entraînant un assèchement des sols et une perturbation de l'équilibre de la faune et de la flore jusqu'à ce que la région touchée devienne un désert. D'après l'UNCCD, ce phénomène concerne 250 millions de personnes. L'Afrique, la Chine et l'Australie sont les pays les plus touchés par la désertification. Il ne faut pas confondre sécheresse et désertification. La sécheresse est une insuffisance de pluie sur une certaine période, la désertification est un phénomène de long terme. Pour autant, la sécheresse contribue à la désertification. Il existe trois causes principales de la désertification. 1. Les pratiques agricoles prédatrices comme la déforestation, la surexploitation des sols, le surpâturage par le bétail, l'absence de jachère, l'épuisement des nappes phréatiques. 2. La croissance démographique qui exerce une pression accrue sur les ressources naturelles comme le bois et l'eau. 3. Le changement climatique qui accentue la chaleur et la sécheresse dans les zones désertiques. Les conséquences constatées de la désertification sont de deux ordres. D'une part, environnementale, appauvrissement des sols, dégradation des écosystèmes et de la biodiversité, diminution des capacités de stockage du carbone dans le sol, accentuation du réchauffement climatique et raréfaction des ressources, notamment de l'eau. D'autre part, socio-économique. La désertification accentue la pauvreté, dégrade les conditions de vie, augmente l'insécurité alimentaire, crée des inégalités dans l'accès aux ressources élémentaires, provoque les migrations de populations et engendre des conflits. Quelques chiffres. 2,6 milliards de personnes dépendent directement de l'agriculture. Or, la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles. La perte des terres cultivables serait actuellement de 30 à 35 fois plus rapide que le rythme historique. En raison de la sécheresse et de la désertification, 12 millions d'hectares sont perdus chaque année, soit près de 23 hectares par minute. 74% des personnes en situation de pauvreté dans le monde sont touchées directement par la dégradation des terres. Canal A7 dans le temps.ch du 1er novembre 2023. 6% du commerce maritime mondial passe par le canal de Panama. En 2022, 39 bateaux par jour l'empruntaient. Chaque bateau nécessite environ 200 millions de litres d'eau douce pour le fonctionnement des écluses, eau extraite des lacs Gatun et Alajuela. Face à la sécheresse provoquant un manque d'eau, dès la fin juillet 2023, le nombre de bateaux par jour est passé à 32, puis à 29, et le tirant d'eau a été réduit à 13,4 mètres. Ce qui a provoqué en 2023 une file d'attente de 163 navires. Un mois d'octobre le plus sec enregistré depuis 73 ans et la sécheresse provoquée par le phénomène El Niño continue d'impacter sérieusement les systèmes des réservoirs. Ainsi, le trafic sera réduit à 25 navires quotidiens à partir du vendredi 3 novembre et chutera progressivement à 20 bateaux par jour mi-février. Les scientifiques ont mal au bras tant ils tirent la sonnette d'alarme dans Vert.eco du 25 octobre 2023. Un rapport sur l'état du climat en 2023, publié mardi 24 octobre 2023 dans la revue Biosciences, décrit l'état de siège de la vie sur Terre. Selon ce rapport, 20 des 35 signes vitaux de la planète identifiés par les chercheurs, parmi lesquels les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de viande par habitant, la déforestation liée aux incendies ou les anomalies de température, présentent actuellement des extrêmes records. On ne compte plus les records climatiques de l'année 2023, vagues de chaleur exceptionnelles, température historique des océans, glace de mer plus réduite que jamais. Ce qui est encore plus frappant, disent les chercheurs, ce sont les marges énormes avec lesquelles les conditions de 2023 dépassent les extrêmes du passé. Le nombre d'événements extrêmes s'est décuplé. Inondations, glissements de terrain, violents orages qui ont provoqué des situations de souffrance profondément angoissantes. Les forêts sont de plus en plus menacées par le climat qui accélère le dépérissement des arbres, aggrave les incendies et propage les maladies causées par des insectes. Le Canada a subi une saison de feux historiques. 16,6 millions d'hectares ont brûlé en janvier et mi-septembre 2023, émettant plus d'une gigatonne, 1 milliard de tonnes, d'équivalent CO2, alors que les émissions de gaz à effet de serre de pays se sont élevées à 0,67 gigatonnes d'équivalent CO2 en 2021. Et les auteurs de conclure que la possibilité d'un effondrement de la société à l'échelle mondiale est envisageable et dangereusement sous-explorée. La connerie olympique dans basta.media du 2 novembre 2023. L'épreuve de surf des Jeux Olympiques aura lieu à Tahiti. Pour assurer l'arbitrage de cette compétition,
les organisateurs ont décidé de construire en pleine mer une tour de 14 mètres de haut qui va nécessiter 4 socles en béton coulés sur un massif corallien. De plus, une canalisation en fonte de 800 mètres sera posée pour recevoir la fibre afin d'assurer la retransmission des épreuves ainsi que l'arrivée et l'évacuation d'eau pour les toilettes. Cette connerie va coûter la modique somme de 4,4 millions d'euros pour moitié payée par la collectivité pour 4 jours de compétition, soit plus d'un million par jour. Enfin, si les travaux sont effectués, ils peuvent rendre le poisson impropre à la consommation du fait d'une algue qui se développe sur les coraux détériorés qui produit une toxine, la ciguatera. Bref, l'esprit olympique a encore frappé, alors qu'une tour existe déjà et qui est déjà utilisée pour les grandes épreuves de surf. Il n'y a plus de forêt, mon bon monsieur, dans mongabay.com du 31 octobre 2023. Dans le bassin du Congo, la perte de forêt en 2022 a été estimée à 646 722 hectares. Selon le dernier rapport du Global Forest Watch, publié le 17 juin 2023, la perte de forêt tropicale primaire a augmenté de 10% dans le monde, soit 4,1 millions d'hectares, soit l'équivalent de 11 terrains de football par minute. Cette déforestation a entraîné l'émission de 2,7 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent des émissions annuelles de combustibles fossiles de l'Inde. Entre 2021 et 2022, la République démocratique du Congo a perdu 512 672 hectares de forêt primaire. Les causes sont identifiées, bien connues et régulièrement dénoncées. L'exploitation du bois pour l'exportation, comme pour la production de bois d'énergie, l'exploitation minière et l'agriculture. Rien ne semble pouvoir arrêter cette destruction malgré les tentatives de certains gouvernements de limiter la casse. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.